Sale temps pour les chanteurs francophones. Quelques jours après le Belge Stromae, qui a révélé être incapable de remonter sur scène, et quelques heures seulement après la Québécoise Céline Dion, obligée d'annuler ses représentations jusqu'en avril 2024, si y est-il la Britannique Jane Birkin qui a pris la parole, ce vendredi 26 mai, pour annoncer qu'elle ne pourrait pas honorer sa tournée des festivals, cet été. L'ex-compagne de Serge Gainsbourg annule également ses concerts prévus prochainement à Paris, à la Cigale et à l'Olympia. J'ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. J'aime tellement être avec vous. Vous me manquez, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Jane Birkin donne toutefois rendez-vous à ses fans en automne. La chanteuse britannique, victime d'un AVC léger en 2021, avait déjà reporté une partie de ses concerts, en mars dernier. Jane Birkin annule ses concerts, une dernière apparition avec les Enfoirés en janvier dernier. La dernière fois que l'on a vu Jane Birkin sur une scène de spectacle, c'était en janvier dernier à la Halle Tony Garnier de Lyon. La chanteuse à la voix si fragile était apparue aux côtés de la troupe des Enfoirés pour un hommage qui lui était rendu par les autres artistes. Elle semblait déjà très faible. Récemment, si y est-il son petit-fils, Ben Attal, qui s'est confié, dans un podcast, sur l'état de santé de sa grand-mère. Je vais la voir parce qu'elle commence à être un peu fatiguée. Je viens de la retrouver, je ne lui avais pas parlé pendant très longtemps. Aujourd'hui je la vois vulnérable comme ça, dans le besoin. Il y a quelque chose qui s'est effacé en moi et j'ai juste besoin d'être présent pour elle, confiait-il.